Bonsoir mes amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve cette nouvelle semaine pour une nouvelle vidéo et quelque chose d'assez particulier que je pense pas que vous ayez déjà vu sur YouTube ni même sur beaucoup d'autres plateformes, et j'espère que ce contenu là pourra vous intéresser. J'ai remarqué qu'on a certains aliments comme les conserves qui se conservent à un certain nombre d'années. Et c'est quand même quelque chose de très positif de se dire que voilà, on peut avoir de la nourriture qui traverse les mois, les années, les âges, et de pouvoir garder le goût et l'excellence des aliments. Et par rapport à ça, on l'a déjà vu dans certaines vidéos que moi j'ai une grosse préférence pour toutes les sardines et les aliments qui viennent de la Belle-Île-Oise. Donc certes, pour certains, ça fait un peu plus cher, ou beaucoup plus cher, que d'autres sardines, mais comme on préfère payer la qualité par rapport à la quantité, eh bien ces sardines là sont vraiment le reflet de ce qu'est la France, à mon sens, la culture, la gastronomie et tout ce qui va avec. Et certains personnels de la Belle-Île-Oise nous ont indiqué que on avait ce genre de sardines là qui existait en édition limitée et avec la possibilité d'être utilisable pendant des dizaines d'années ou dans 10 ans, d'être consommé dans 10 ans par exemple. Comme quoi, les sardines se bonifient avec l'âge, les sucs se condensent, on a vraiment quelque chose de confit et quelque chose de meilleur. Donc, je vais placer chacune de ces boîtes de sardines, donc j'en ai 5 ici, à consommer à différents moments de ma vie. Et donc, on a des petits papiers personnalisés et en fait, avec la mise sous vide, donc la date de la mise sous vide, et par exemple, à consommer celle-là dans 3 ans, celle-là en 2030, 2040, 2050, 2060. C'est aussi un petit pari, un petit délire qu'on s'est passé avec quelqu'un qui a tenu la caméra sur certaines de mes vidéos. Il se reconnaîtra dans les commentaires, possiblement. Et en tout cas, je vais faire ça avec lui en parallèle. Donc, chaque papier aura un document comme ça et il sera mis sous vide et il faudra le retourner tous les 1 ou 2 ans et potentiellement, à la date précise, les consommer. Et peut-être que les conserves et les sardines auront énormément de valeur dans le futur. Donc voilà, toutes les sardines sont emballées sous vide avec leur petite notice personnalisée et personnalisable dans un sens où voilà, elles sont toutes là telles quelles, emballées. Donc on les mettra dans le kit d'urgence, dans le méga gros kit d'urgence qu'on a fait sur la chaîne. Donc au cas où, allez voir la vidéo sur la chaîne et sur Facebook, essayez de la retrouver. Et puis sur ce, bah merci d'avoir cliqué. Ah, fuck. Voilà, désolé pour la coupure. Donc du coup, merci d'avoir cliqué, merci au cas de vous abonner, merci à tous les nouveaux et nouvelles abonnés. N'hésitez pas à vous signaler en commentaire. Et sur ce, on se retrouve dans déjà 3 ans, plus 10 ans, 20, 30 et 40 ans pour tester toutes ces sardines-là. Et puis, si jamais d'ici là, j'ai toujours ma chaîne YouTube, et bah, vous verrez ça en vidéo. Ciao, ciao!